c'est important d'avoir des beaux camions, c'est important d'avoir une belle image, de refléter cette image, d'avoir une entreprise sérieuse, d'amener la confiance à notre client. Aujourd'hui, on a passé la certification MAS il y a 2 ans, une certification de sécurité. On a l'objectif CO2 pour être vertueux au niveau du transport. Nous sommes en train de travailler sur un projet de gaz, transport et station de gaz, pour toujours être vertueux. Demain, dans notre projet d'Edelmo Nicodrel Transport, c'est de pouvoir aller chercher 35 à 40% de transport à l'extérieur, à des tiers, pour pouvoir être plus proche du marché, connaître le marché qui se fait, la concurrence, et ce qui nous permettra toujours d'être plus performants pour le groupe d'Edelmo Nicodrel. Quand on dépasse des zones de 30, 40, 50 km avec les matériaux qu'on transporte, c'est des matériaux lourds, donc c'est tout de suite très compliqué. Aujourd'hui, le transport fluvial nous permet de transporter de plus grosses quantités de matériaux, donc à coût moindre, donc nous permet d'aller plus loin, donc nous permet de nous déplacer sur des chantiers, d'aller chercher des chantiers plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire de notre secteur.